Pourquoi vous voulez effacer le drapeau israélien des Jeux Olympiques? J'ai vu cette proposition de vos collègues insoumis, Israël sous bannière neutre. Vous êtes d'accord que la Russie commet des crimes de guerre et des violations du droit international? Oui ou non? La Russie? Oui. Alors, êtes-vous d'accord sur le fait qu'Israël commet en ce moment des crimes de guerre qui ont été actés par la Cour internationale de justice et des violations du droit international? Oui ou non? Donc, qu'est-ce qui est différent entre les deux? Non, mais j'entends votre point, Mathilde Panot, mais c'est pas la position de la, c'est juste une position de cohérence internationale. La question de cohérence. Et je vais vous dire, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer. Y compris ce que disait l'Afrique du Sud, c'est que nous sommes peut-être en train de voir le premier génocide du 21e siècle directement sur nos portables. Nous ne nous tairons pas. Si Mathilde Panot.